Salut à tous, c'est Musicbox, accompagné de... Bat ! C'est moi. Salut, salut. Et aujourd'hui, nous allons continuer après notre méga fail de la dernière fois, si vous vous souvenez, dans... pour dégager le tram. Nous étions arrivés dans cette fameuse salle, où on s'était un petit peu fait dans notre frog, du coup on a dû laisser des sacrées traces de freinage dans nos caleçons, mais ça, on s'en fout. On devait ouvrir cette porte, et je peux vous dire que là, les amis, nous sommes chauds. Ça y est, cette fois-ci, nous sommes en condition, il est minuit 20 ou minuit et demi même déjà maintenant. Et on est complètement chaud, on est tous plongés dans le noir. Tu es tout noir. Je me souviens même plus comment on recharge. Les gars, on va faire des gros burn-out. Utilisez la télékinésie. Tenez, j'ai trouvé ce message quand j'étais bloqué sur la méduse. Ah, mes cacharognards en attente à l'établi. Ok, vous qui regardez ça, écoutez-moi bien. Vous pouvez récupérer les membres coupants par kinésie pour ensuite les retourner contre eux. Regardez. Regardez bien. Mais on sait déjà, gros noob, on l'a déjà fait. Ça fait 3 heures que je survis comme ça. Vous voyez ? Retournez-les contre eux. Je veux bien, mais ça veut dire qu'ils vont nous ôter nos armes ou quoi? Ce serait pas très... Ils vont nous balancer les ennemis jusqu'à qu'on ait plus de cartouches, je sais pas. Y'a de la bière ici. Bah ça, maintenant on sait que c'est tous des alcoolos, ces foutus ingénieurs de mes couilles. Allez, bon. Go monter. C'est l'heure de monter. Eh bah t'as vu, je suis bien monté. Ah, trop bien. Ouh. Le partenaire n'a pas de place. Attends, y'a un artefact par ici. Alors je vais lire ça vite fait. Journal de service, Valérie Dietz. Ils sont où ? Le CMS Crozier a rapporté de nouveaux artefacts de la planète. Je me suis permise de demander à l'amiral Graves quels étaient les protocoles de stockage, mais elle a levé les yeux au ciel. J'ai donc ordonné de les entreposer dans la soute du Terra Nova. Nous irons voir dans la soute. Ah, je crois que je viens de péter le cadavre en même temps. J'aime pas cette musique. Mais y a pas de musique ? Si. C'est juste des bruitages pour moi. Oh là, attends, le plafond il... The fuck ? Je te tranche. Bon. Quoi qu'ils sont tout seuls, ils font pas très peur. C'est l'avantage. Allez, bah tu fais la passe, c'est toi qui meurs et après c'est moi qui... Qui empoche le butin. Oula. Grande salle, très grande salle. Mais attends, on n'était pas déjà ici ? C'est pas là où on était descendu par l'autre côté là ? De toute façon, faut descendre. Bah oui, mais c'était là où on était déjà allé tout à l'heure, enfin la dernière fois. Je pense que maintenant il faut se diriger vers le tram en fait, maintenant qu'on l'a dégagé. Enfin, si tu te souviens, nous on est arrivé par justement l'endroit qui était juste au-dessus. Fais gaffe, ça bouge en bas. Oh putain ! Oh putain ! Non, il est intuable, je suis sûr qu'il est intuable ce truc. Tu vois pourquoi? Ils font perdre ses membres. Oh merde! Ils nous ont prémâché le travail. Non! Il peut se régénérer! Oh merde, il se régène, mec, casse-toi! Il y a des bourmones à. Il y a peut-être des bourmones à faire péter. Non, non, il faut se casser, c'est tout. Putain, il y a d'autres mecs derrière. Ah, je me fais péter. Putain, lâche-moi. C'est pas le con, Philippe. Vas-y, monte l'échelle vite.
Je sais pas où il est, mais il est loin. Il est pas loin. Il va atterrir d'un autre côté, t'inquiète. Putain, il m'a foutu des boules. Ah mais c'est lui, casse-toi maintenant. Maintenant qu'il a plus de jambes. Ah, il est juste... Ah, il est derrière. Vas-y, casse-toi, ouvre-la. Vas-y, casse-toi. Ah, ça y est. On a un établi ici, mais on peut pas l'utiliser. Est-ce que vous pourriez fermer la porte, s'il vous plaît? Voilà. Ou pas. T'as essayé ouvert ici. Est-ce que tu peux prendre l'établi? Non. Non. Si, on peut l'activer, l'établi. Mon méca charognard est de retour. Belle pièce. Il m'a ramené beaucoup de tickets rations. Je suis content. On sait toujours pas à quoi ça sert. J'ai un nouveau truc, je sais pas ce que c'est. Je regarderai plus tard. Je vais lancer mon méca charognard. C'est bon, t'es prêt? Quand tu... Tiens, on est en train de les laisser depuis 5 minutes dans un gros cliffhanger de ouf. On va ouvrir la porte, il va paraître devant, je suis sûr. Putain, ouais, t'es sûr. Visse les jambes. Vas-y, casse-toi. Putain, il nous suit. Mais ses potes là. Putain, y'a un truc à activer là. Ça doit être le tram. Ouais. Vas-y, y'a un truc qui va se bloquer là, c'est pas possible. Ses potes arrivent. Dégueulasse. Oh, il a éclaté. Il est pas mort? Attends, go la tirer ailleurs. Putain, mais ils sont où les mecs? On a de la stase gratos ici. Putain, et moi? Arrivée imminente du tram. Veuillez patienter. Oh putain. Il y en a un deuxième! Bat! Il y en a un deuxième! Sérieux? Ouais! Je suis tout à fait sérieux. Il y a de la stase là-bas si jamais. Cassons-nous de là, vas-y, il y a le tram. Il arrive là. J'ai des annusages là. Toujours attendre le TER, merde. Chier les gens. Merde, je fais de la merde avec mon arme. Et lâche-moi toi. T'es mort. Génial. Oh putain, il t'a démembré. Regardez-moi ça. Non, je suis pas mort. Je suis désolé. Mais non, mais pourquoi t'es mort? Encore mort. Ça va, on a un checkpoint. Ah ouais, mais... Tu peux les staser un max, mec, hein, n'aie pas peur. Vas-y, je lance le truc. Maintenant, go se mettre dans un coin safe, là. Lui pète pas tous les membres, sinon il se régénère en fait. C'est ça le problème. Laisse-lui les membres coupés maintenant. Arrivée imminente du tram. Veuillez patienter. Il y a un truc ici.
Waouh. Casse-toi de là. Vas-y, il y a le tram, il est là. C'est pas le même qu'à Tokyo. Ouais. J'ai activé, je sais pas où on va, mais... Bon, activé. On va où? Station poupe, station centre, station proue. Je sais pas, ils nous disent d'aller où. Je sais pas, je suis allé à la station centre. Merde, je déteste ces trucs. Ok. Je suis arrivé au tram. On dirait qu'il dessert les stations du centre et de la poupe. La navette est à la station de la poupe. Et la station centre? C'est celle du centre opérationnel. Voilà qui est intéressant. D'après les registres, de nombreuses ressources ont été retirées de l'entrepôt par un certain lieutenant Tucker Edwards. Allez, jetez un œil. Ouais. Si je les retrouve, je vous fais signe. Terminé. Ouais, dis donc, là, ils enchaînent les passages bien, bien abusés, là. Vous arrivez au centre opérationnel. On est arrivé. Trop bien. Si. Tu savais comme je suis content. Je sens que ça va être encore pire une fois qu'on y sera, mais c'est pas grave. Je suis heureux. Bon, il y a une porte. Ouais, il y a un truc activé à deux là. Attends, c'est quoi ça? Non, là il nous faut une carte d'accès. Mais carte d'accès, ouais. Toi, tu passes pas. Il y a un truc là-bas derrière, je me demande si on peut l'ouvrir avec un truc. Ça, on peut l'activer à deux. Eh, c'est mythique. Salut. Je te rencontre, trop bien. Ah, on connaît ça. Maintenant c'est bon, on s'est fait avoir la première fois, maintenant c'est... Ah maintenant, ah oui, y a, d'accord, il y a un chemin qui est pété. Je peux pas passer par en dessous. Ah si, ça marchait pas, je sais pas pourquoi. Vas-y, comme tu m'as troll. Yeah, c'est ouvert. Oh yeah. Tough man. Où on établit? Attends, d'abord je vais... Je vais récupérer mes pièces. Ouais, je vais récupérer 2-3 petits trucs. Dispersion conique. Tiens, il y a un objet là. Hop. Ah, dispersion conique, c'est pour le... Le truc pour la baïonnette. J'en avais fabriqué une. Je suis désolé, Toc. Mais tu as entendu Mad? Le scénario de type 5 est en vigueur. Un scénario? Putain, c'est quoi ces conneries? Tu vas devoir mourir. Comme nous tous. Ouais. Non, ils enverront quelqu'un pour finir le travail. Arrête, Valérie. Baisse ton arme. Désolée. Ils sont pas à savoir. Je suis désolée. Ok, d'accord. Moi, commandant. Folie, les gens. Et si un seul de ces fachos essaie de venir me chercher, il le regrettera. Ok, d'accord. Bon. Ah, c'est pas ça que... Oh, je l'ai relancé sans faire exprès. Désolé, Toc. Mais tu as entendu Mad? Le scénario de Team 5 est en vigueur. Ah, 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 nouvel élément facultatif. Tu vas devoir mourir. Enquêter sur le centre opérationnel. La clé magnétique que j'ai trouvée doit donner accès au centre opérationnel du Terra Nova. Arrête, Valérie. Le manifeste des colonies souveraines analysées par Buckel indique qu'une réserve de munitions était stockée là-bas. Je devrais aller jeter un œil. Je suis désolé. Autant que moi, commandant. Donc on a une catanex, mon cher Bat. Hi. As-tu utilisé la dispersion conique? Je suis en train d'essayer. C'est un embout? C'est un embout. Ah, c'est pour la mitrailleuse. Peut-être faire un minigun, hein, je sais pas. En fait, ça, non, ça diminue les dommages, mais ça augmente la vitesse de tir. Ça la rend nouveau mitrailleuse, en fait. Moi, ça m'a fait un fusil à pompe. Ah, peut-être, oui. Mais ça diminue les dommages, ça qui est bizarre. Attends, je vais tester ça. On va bien voir. Peut-être tu l'as mis en haut, peut-être aussi, c'est pour ça. Ouais. Moi, je crois que ça me fait aussi un fusil à pompe, mais en dessous du truc. Du coup, mon arme là, ça va être un truc de gros bourrin.
Oula. Du coup, j'ai un fusil à pompe avec une baïonnette. Moi, j'ai un fusil à pompe, mais avec un trancheur, tu vois. En fait, si jamais les mecs sont trop près, bah là, je claque le fusil à pompe. Ça peut être pas mal. Bon, on est parti. On est parti. Quête, on a une quête annexe. Ah, bah on va la faire. Je crois que ça doit être ça, avec la... Avec la clé. Avec la clé, ouais. Tout à fait. J'aime, oh, j'aime pas les ascenseurs. J'aime un peu pas beaucoup trop ça. Le petit rituel. Vous avez été assez malin pour déjouer ma petite fermeture. Ça veut dire que vous faites pas partie de l'armée de larbin du général. Et avant que vous vous tapiez dans le dos pour vous féliciter, dites-vous que c'est que le début. Votre journée est loin d'être finie. C'est qui ce petit bâtard là? Je sais pas, mais j'aime pas. Attends, donc il y a une nouvelle quête encore. Une nouvelle mission, localiser Edwards. Ah non, ça fait partie du truc. J'imagine que les messages d'Edwards sont pré-enregistrés, à moins que... Comment des gens auraient-ils pu survivre ici toutes ces années? Je ne sais pas qui est Edwards, mais il cache sûrement quelque chose. Bon, bah on va suivre ça. Il y a des bruits bizarres, mec. Au-dessus, regarde, le plafond. Waouh. J'entendais des bruits bizarres, mais j'avais rien vu au plafond. Moi non plus. On les voit toujours au dernier moment de toute façon. Ah, ici un petit truc. J'aimerais bien trouver un machin d'armure pour pouvoir augmenter mon armure, ce serait pas mal. Donc là, on est parti en quête annexe. C'est ça. Ça roule. Tous ces soldats. Quelques giclures. Ils comptaient en faire des chiens de garde. Vous pensez peut-être pouvoir me coller une balle? Ça, je vais garder, parce que ça... J'ai une petite armée qui pense le contraire. Qu'en penses-tu, Bat? De... On va se révéler utile de prendre une bonbonne. Ça, c'est une bonbonne de stase. Je crois qu'il va y avoir un sacré combat ici, parce que... On a une échelle et un escalier, tu préfères quoi? Je préfère l'escalier, parce que je peux garder la bonbonne avec moi. Et qu'en plus, il mène au même endroit que l'échelle. Ça pue, hein, y a des bonbonnes partout, je sens le combat de merde. Je sens le combat de merde. Fais gaffe au conduit. Ouais, y'en a un juste là en plus. Y'a une charge d'explosif dessus. Pète là. Fais pas le con, Philippe. Y'a une porte qu'on peut ouvrir. Oh l'enfoiré. Tiens, on va s'amuser un peu. Merde. On se replie. Il a mis des charges explosives partout, cet enfoiré. Replie-toi dans le coin là, contre la porte. Casse-toi. Activation de la quarantaine. Ah, je me suis pété la gueule à moi-même. Va bien, Isaac. What? Non, pas du tout. Je suis à terre. Il doit y avoir des commandes d'annulation. Ok. Mais viens, bouge. Je vais chercher si je me fais pas découper avant. Ça pue la merde. Ils sont où, putain? Faut qu'on redescende? Alerte. Non, faut qu'on passe la porte. Activation de la quarantaine. Donc à mon avis, faut qu'on bute tous les ennemis. Ça arrive à l'étage. Oh là, voilà. Oh là, y'en a un devant moi. C'est petit. Merde, putain, j'utilise deux fois ma stase comme un idiot. Putain, y'a une petite merde sur toi. Soigne-toi. Là. Contamination détectée. Activation de la quarantaine. J'ai plus kit de soins, merde. Y'en a un en bas.
T'as vraiment plus de kit de soins? C'est bon. Attends, y'en a un en dessous là. Vas-y, je vais me le faire à la bonbonne. Ok. Merci. Attends, est-ce que j'ai encore des kits de soins moi? J'en ai encore 3 petits, t'en veux un petit au cas où? Ouais, je dis pas non. Merci. Alerte. J'en ai plus non plus moi. Détectée. Activation de la quarantaine. Encore? Ils sont où, bordel? Ils sont où? Tiens, regarde. Quoi? Bah, regarde, fallait ouvrir la porte comme ça. Avec un puzzle? Non, j'ai arraché un pote de contrôle. Bah attends, je... Attends, ouais, apparemment c'est un puzzle, ouais. Ah, essaye de le faire plutôt. Ah bah je sais ce que c'est. C'est mieux pour les viewers. Ouais, mais normalement c'est pas très compliqué. C'est quoi cette musique qu'on a en arrière-plan là? Alerte. Contamination détectée. Activation de la quarantaine. Ah là. Annulation. En fait, il faut que tu mettes le joystick quarantaine dans le bon endroit et que tu cliques sur croix. Veuillez en informer votre supérieur hiérarchique. Mais y a pas de supérieur hiérarchique, ils sont tous morts. Il est où? Il est où? Au-dessus. Plafond. Ah. Ah mais... Cassez-vous. Non, touch me. Est-ce qu'on serait pas un peu dans la merde au niveau des kits de soins maintenant? Je crois que je vais aller en fabriquer dès que je pourrai. Non, je pense qu'on devrait en trouver en masse. On ne tue pas le courant. Oh mon dieu. Là, il y a un kit de soins, un petit kit de soins de merdique, mais un petit kit de soins quand même. Gaffe au conduit. Ah, ah, attends. Buckle. Edwards a installé des pièges électriques. Ça ressemble à du travail artisanal à courte portée. Des pièges, hein? Les commandes ne doivent pas être loin. Si vous les trouvez... Je leur tire dessus. Viens. T'as combien de kits? Attends, je peux retirer un truc. Regarde, vas-y, tu peux tirer dessus. En fait, j'ai 0 kit de soins. Voilà. D'accord. J'ai beaucoup de munitions. T'as des... Ouais. T'as besoin de munitions? Bah, j'en ai 60. Moi, j'ai déjà 7 packs remplis. Enfin, 6 packs. Non, 7 packs remplis. J'en veux bien un alors. On va avancer. Ouais. Oh là là. Attends, laisse-le prendre le piège. Laisse-le prendre le piège. Ils sont pétés la gueule par les pièges. Putain, il y a sa tête là. Est-ce que tu crois que je peux l'éclater sa tête? Eh ouais. Sympa. Je crois qu'on je est pas loin de mes fusils à pompe. Je crois qu'on est pas loin de l'heure de fin d'épisode. Attends au moins à la fin du couloir. Ouais, on va attendre un petit endroit safe quand même. Alors la bombe de stase. Mais d'abord la commande. La commande elle est où? Elle est pas en face quelque part là? Là elle regarde en face. Bat. Tu vas au fusil à pompe toi carrément. Pas besoin de viser quand t'as un pompe. La précision, rien à battre. Ah non, je suis toujours le bourrin, tu sais très bien. Allez, des kits de soins là, on s'en fout des ressources. J'ai des cartouches moi, tout le temps partout. Maintenant c'est toi qui retrouves des cartouches. Bon bah on a 3 bonbonnes de stase, si là on arrive à rien faire. Ah, circuit d'amélioration, tiens. Si, recharge. Chargeur. En fait t'as pété une bonbonne de stase en fait. Avec ton pied, espèce de gros bourrin.
Gros pied. Attends. Ah, c'est merde. T'es parti sans moi. Tiens, je te passe ça. Où? Tu veux voir ma bite? Non, ça ira, merci. Il y a des cylindres. Tu sais, ça me fait plus rien de voir des grosses tentacules maintenant, Bat. Hein. Merde. J'en vois tous les jours, la tienne ne m'excite plus. Hein. Oh. C'est plus comme avant. Avant, j'aimais encore bien... Encore des semi-conducteurs. Dans les douches, tout ça, mais... Tiens, c'est stylé, ça. Bah oui. Yes, j'ai ramassé un petit kit de soins. Je suis tout heureux maintenant. Avant, on s'est stimulé, tu sais, mais maintenant on est content quand on en reçoit un. Là, il y a un truc. Est-ce que tu crois que ça se... Je crois que c'est rien du tout. C'est juste pour faire joli. Ouais, faire de la lumière. Est-ce qu'on s'arrête là? Oui. Ça m'a l'air pas mal, non? C'est safe. Et qu'est-ce qui est marqué? Your funeral? Bon bah ça pue la merde en fait, je crois. Comme toujours. Ah, les chers amis, je vous dis à la prochaine, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire comme d'habitude. Bat. Bisous bisous. On se dit à tout de suite, à dans 2 minutes, parce que là on est super chaud pour voir oui. La suite. Et à vous, bah à dans quelques instants ou à dans quelques jours, je ne sais pas. Passez une excellente soirée ou une excellente journée. Salut tout le monde.